bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La commission électorale indépendante a dévoilé les résultats des élections partielles du 2 décembre. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, à l'exception de la localité de Ferquay-Sédougou, où le siège de l'instance a été incendié pendant le dépouillement. Les agents de la fonction publique ont de nouveau été à l'honneur. 9 lauréats, dont une femme, ont ainsi été primés lors de la 2e édition des Awards de la fonction publique et la presse n'a pas été oubliée. Et en fin d'édition, place au sport. Les jaunes et noirs de la SEC Mimosa ont dominé le Wydad Casablanca à l'issue de la 2e journée de la Ligue des Champions, ce qui permet au club ivoirien de s'emparer de la première place du groupe B. Après le vote, place aux résultats. La commission électorale indépendante a en effet officialisé les résultats du scrutin partiel du 2 décembre, une échéance électorale qui, pour rappel, a pris place dans la région du Guémon, à Quibli, San Pedro, Tiassalé, Sarala, Oumé, Ferquay-Sédougou, Dabakala, Goïtafla ainsi qu'à Koumbala. Seredo Célestin, candidat RHDP, a remporté la seule élection régionale. Une victoire pour le parti au pouvoir, parti majoritaire qui est également sorti victorieux des urnes de Koumbala et de Quibli. Le PDCI-RDA, lui, peut s'enorgueillir d'une victoire à Oumé grâce à son candidat Joachim Lagui Kouassi. En dehors de ces localités, la part belle a été faite aux candidats indépendants comme à Tiassalé où Antoine Assalé-Tiemoko a été reconduit dans ses fonctions par les populations. Une assemblée générale extraordinaire pour évoquer les conditions de vie et de travail des agents du groupe RTI. Réunis en syndicat, ils ont décidé d'entamer une grève si rien n'est fait. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est les sursalaires qui ont été spoliés. Contre toute attente, quand on est autour d'une table, on doit pouvoir se dire les vérités. La direction générale a caché cette vérité-là et nous met devant les réalités le fait accompli. Les agents du média historique ivoirien espèrent que leur situation sera résolue au risque de passer à l'action. Nous encourageons les travailleurs à poser leurs problèmes, mais à poser avec la manière et à donc appuyer les négociations qui sont en cours, qui ne sont pas encore rompues, parce que la grève, c'est le mot ultime qu'on utilise, l'action ultime qu'on utilise. Et comme c'est un service public de l'État, donc il est bon d'épuiser toutes les cartes, d'épuiser tous les débats avant de passer à la grève. La revalorisation salariale, les congés, la grille de métier, les frais d'émission et la gestion du personnel sont entre autres les principales revendications des membres du syndicat. Tuo Niarala, Ngoran Kouassi Olivier et Ndri Kofi Guillaume, respectivement directeur des ressources humaines du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, directeur régional de la fonction publique de la région du Hambol et agent à la direction du système d'information du ministère d'État, ministère de la fonction publique, ont reçu les Awards d'or 2023. C'était lors de la 2e édition des Awards de la fonction publique qui célèbre les meilleurs agents de la corporation. Les fonctionnaires que nous voulons célébrer aujourd'hui à travers le mérite, à travers la compétence. Et je peux vous assurer que moi, je n'ai que vous, fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Je n'ai que vous pour réaliser ce rêve. Le rêve du président de la République et le rêve de ses populations. C'est ce qui explique donc que nous avons imaginé ces awards pour valoriser le fonctionnaire, pour célébrer le mérite et pour montrer. Tous les awards d'or ont été accompagnés individuellement par un trophée, un certificat, un ordinateur ainsi qu'une tablette de dernière génération, sans oublier une récompense pécuniaire. Ouais. Donc c'est une satisfaction de bientôt que vous, mais en même temps, c'est un défi pour vous. Parce que quand vous recevez une distinction, quand vous recevez une décoration, ça vous amène à travailler davantage. Que ça vous amène soit à maintenir ou alors à monter, mais vous ne devez vraiment pas descendre. Donc c'est un défi, c'est un challenge chaque fois que nous. Chaque jour, nous devons travailler de mieux en mieux. 19 organes de presse ont reçu un prix, dont un prix spécial a été décerné à l'ensemble de la presse qui accompagne le ministère dans la médiatisation de ses activités. Première victoire de poule pour les Mimos en Ligue africaine des champions. La SEC Mimosa s'est imposée à domicile face au Wydad Casablanca, 1-0. Sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le but de la Libération est intervenu à la 72e minute grâce à Sankara Karamoko. Une véritable aubaine pour la SEC qui, grâce à cette victoire, prend 4 points. Les jaunes et noirs prennent ainsi la tête du groupe B après un match nul face au Simba SC.
Prochain rendez-vous pour les jeunes et noirs, le 9 décembre contre le club Lotoanais Joanneng Galaxy. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.